Salut à tous, aujourd'hui on va faire le test de Gundam Evolution sur Xbox Series X. C'est parti, on va voir comment il est le jeu. On dirait une sorte de jeu à la Battle Royale, domination, tout. Avec la vue à la FPS, avec les robots, tout. On va vous montrer tout ce qui est menu, tout. On est dans le menu, unité, voilà, je vous montre, il y a pas mal de personnages avec tous les robots et tous les Gundam. Avec les méchants aussi là. Tout ce qu'il y a à voir, les robots, les amis, joueurs. Il y a de quoi faire comme. Parce que comme c'est un free to play, un cadeau, on va voir. Ah. On va avoir des objets, on dirait. Hop. On va récupérer tout ça. On peut le customiser, je crois, même. Chaque Gundam. Hop. On va voir. On va l'avoir un. Voilà. On voit les atouts, apparence, unité. Ça, on peut le changer. Je vous montre un peu comment c'est fait. C'est pas mal, mais graphiquement c'est sûr que c'est plutôt moyen. Par contre, c'est dommage que ça aurait mérité un peu plus graphiquement, tout. La jouabilité est assez fun, tout. Ça ressemble beaucoup à un Overwatch un peu, mais moins beau quand même. La carte, tout. Animation sélection, on peut demander l'animation, tout. Allez, c'est parti, on va essayer de trouver une partie. Match amical, il y a un mode entraînement, moi je vous conseille de faire le mode entraînement au début. Match classé, on va faire un match amical, hein, parce que match classé, ça doit être assez balèze je pense. Hop, alors, tant que ça se lance, parce que c'est pas évident de trouver une partie, pensez à le mettre à la version européenne, les serveurs. Comme je vous disais, c'est un jeu gratuit, free to play, moi je l'ai sur la Xbox Series X, il doit être aussi sur PlayStation je pense. Recherche de match amical. C'est pas encore à trouver, comme je vous dis, il y a des matchs en domination. Je sais pas s'il y a plusieurs modes de jeu par contre. Ah, il y a aussi le pass saison, j'avais pas vu là. On a le pass saison, on a les défis. Ça y est, on a trouvé une partie trouvée. Par contre, ce qui vient dans le jeu, c'est qu'il est tout en français. C'est plutôt rare pour un jeu Gundam. D'habitude, ces versions avaient les voix en japonais. Là, c'est tout en français. Ça, c'est rare. Parce que c'est pour ceux qui ont joué à la version Gundam, parce qu'il y en a un paquet. Sur toutes les consoles, je crois que c'est le seul jeu qui est sorti sur toutes les plateformes, je pense. Allez, on va choisir le personnage. Après, voilà. Hop, on est combien là? On est 6 contre 6. Centrale terminée. Hein. Attaque, match amical. Alors, j'ai fait que quelques parties pour voir. J'ai vu qu'il y avait 2 ou 3 modes, on dirait. Classement. Détail de l'unité. Avec les armes et tout. Hop, déploiement. On dirait un petit peu à la Robotech aussi, pour ceux qui connaissent le manga. Vas-y. Alors moi je vous conseille au début de faire le tuto avec les armes et tout, de savoir comment ça marche. C'est un petit côté, comme je vous disais, à la Overwatch, mais un moins bien. Dommage. Alors des fois je sais pas, il redemande de choisir le personnage. Je sais pas pourquoi, demande ça. Allez, on va attaquer, qu'est-ce que c'est ça? Faut aller hausser. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un bouclier? Non, ça c'est pour envoyer. Le A. Ah ouais, c'est un bouclier, d'accord. Parce que chaque personnage a certains atouts. Oula. Ouh, il a l'air. C'est rapide lui. Je me fais attaquer derrière en plus. Ah, je me suis fait avoir. Ah, il m'a eu. Allez, on va revenir. Ouais, c'est une sorte de domination. On va changer. Ce qui est bien par contre, c'est qu'on peut changer de personnage, il me semble. Hop, voilà. Les forces ennemies ont l'avantage. Ah, donc il le sait. Les transformations aussi, on dirait aussi. Chaque robot, un peu comme les Transformers. Avec les boutages et tout, c'est pas super super. Après, c'est un jeu gratuit. Hein. On peut pas... Je connais pas les atouts qu'il a lui. Je me suis fait éclater. Il a l'air d'être un sacré paquet là-bas.
On retourne à l'arène. Hop. On va essayer de vous en montrer plusieurs. Merde. Oui, déjà, il demande de changer des fois en unité. Il faut faire gaffe avec le stick parce qu'en fin de compte, il faut. On a tendance à toucher le stick là quand on est dans la surface. Là où on joue deux choses à le personnage et on change souvent. Hop, j'ai mis des mines. Ah, il est à terre lui. Alors, c'est un petit peu le bordel des fois. Putain. Ah putain, je me suis fait avoir. Détruire. Allez, c'est reparti. Il y a un petit peu de vibration, mais pas beaucoup. Ils n'ont pas mis beaucoup. Allez, détruit lui. Essayez d'attaquer les autres. Là. Oula, ils sont un paquet là. Bon, on les mute. On met des mines partout. Putain, putain le bordel. C'est un paquet là-bas. Ah, ça reprend bien un petit peu l'univers. Tout ce qui est Gundam, pour ceux qui y connaissent. Est-ce que je change les personnages? Non. Pour ceux qui connaissent le manga et le jeu, ça reprend bien l'univers. C'est vrai qu'il est pas mal quand même. Même s'il aurait pu être mieux. Il faut aller dans la zone. Hop, on va mettre des mines. Un sniper. Dis l'autre. Merde. Il a fait le tour l'autre. On va essayer de piquer la zone. Ah, je me suis fait éclater. Après, je sais pas si ça sert vraiment de monter le personnage. Enfin, je pense que ça sert, mais est-ce que ça change en puissance et tout? Ça, je pourrais pas vous dire. Si on gagne en puissance quand on monte. Le niveau de son robot, son Gundam. C'est sympa qu'il ait oublié. Ah bah là, il y a du renfort nécessaire là. Oh putain, la vache. Oh, la puissance de feu. Ils sont là-bas. Ah, ça, je savais pas par contre. On peut réparer le robot. On a vu qu'il a réparé. Ouvre la mine, toi. Je vais mettre une mine derrière moi, ça on sait jamais. Si, je vois pas. Je sais qu'ils sont. Je savais pas qu'on pouvait réparer les robots. Oh putain, je suis allé carrément dedans. Capturer le 1, on dirait, ouais. Attaque la zone. Il est sympa quand même, il est pas mal. Comme je vous dis, il est gratuit, ça serait bête de passer à côté si vous êtes fan. C'est un jeu à l'FPS. Si vous aimez ça, les jeux à l'FPS avec des robots, ça va tuer pour vous. Oh, le petit sale bio, j'ai pas vu. Ah, fin de combat. Match premier terminé. À mon avis, je pense qu'on a perdu. Ouais. Je sais pas combien il y a de manches. Équipe alliée, équipe ennemie. Un manche 2. Lequel, on va prendre celui-là là. Allez, c'est reparti. Alors il a été pas mal, mais il manque un peu de fun le jeu, c'est ça qui est dommage, un peu à la Overwatch. À Overwatch il y a quand même du fun et graphiquement il est beau quand même Overwatch. Alors celui-là par contre votre graphique il est plutôt moyen, ce qui est dommage parce que l'univers du jeu mériterait. Ah, je peux pas les prendre ceux-là. Merde. Ah ouais, j'ai pas vu qu'il fallait en débloquer les 6 derniers là. Il faut les débloquer ou acheter peut-être le DLC, je sais pas. C'est quand vous voulez. Ouais, je pense qu'il faut peut-être acheter le saison pass. Il y a quand même du monde qui joue, hein, parce que à chaque fois je suis arrivé à trouver les parties.
Il y aura beaucoup de fans quand même qui voient ça. Et c'est parti, il faut aller au C. Je vais suivre l'autre là parce que là. Une grenade. Putain, une machine. Oh putain, je me suis fait éclater. Je suis allé tout seul presque. Je sais pas où c'est qu'ils étaient les autres qui étaient avec nous là. Ah, il y a le saut, le jump, ouais, je me rappelle. On va essayer de les attaquer. Par derrière. Recharge. Oh il y a, je sais pas ce qu'il fait là. Pourquoi il recharge pas? Ah putain ce bordel. Je sais pas, il est en train de recharger l'arme. Je sais pas ce qu'il dit d'un heure. Battez-vous pour le contrôle, ils ont dit. Bon, on va changer, on va prendre celui-là là, avec son bazooka là. Ouais, on va essayer de capturer le C. On va essayer de les attaquer par en haut. Par contre, il y a pas mal de petits chemins, on dirait. Et moi, je les connais pas tous, ça. Ça, je sais pas ce que c'est. Des trucs de vie, je sais pas ce que c'est. Où c'est qu'ils sont? Des grenades, je sais pas ce que c'était. Oh putain, je me suis fait éclater en deux secondes. Je suis tombé dans le nid là. Il y a que des lasers au corps à corps, il y a aussi. Ça va changer. Je vais essayer de vous en montrer le plus possible. Tout ce qui est robot là. Merde, je me trompe. Ah, faire gaffe à le stick à chaque fois, je me fais avoir. Oula, il a envoyé une mine, hein, je sais pas ce qu'il a envoyé là-bas. Oh, quoi, ils ont ouvert la zone là, je sais pas. On s'est fait griller là. Alors, comme je vous disais, ça manque un peu de fun quand même. Ah, mais c'est un peu trop simpliste, comme on dit. Le jeu. Putain, faut nous attendre. Ah ouais, ok. Carrément les mecs. À mon avis, dans mon genou, elle est mal barrée. Par contre, celui-là. Appuyez sur A. Ah ouais, c'est le jump pour le plus vite. C'est le power, on dirait. L'autre il a une sorte de hache, d'épée là, je sais pas ce que c'est. Hop. Ouais, pour faire les sauts, c'est pas terrible par contre, hein, leur système. Ah, j'ai réussi à l'avoir. Hop. Ça c'est pour envoyer, recharger. Appuyer. Ah ouais, ok, il recharge, d'accord. Il est où? Où c'est qu'il est? Ah, il est là. Me faire éclater, ils sont derrière moi, douce. Ouais, je recharge l'arme. Ça serait bien que je recharge l'arme quand même. Un truc qui est dommage, c'est qu'on sent pas la sensation du poids. Ah, et le robot. C'est dommage ça. Même les tirs. Ah, sniper. Ouais. Sniper robot. Oui, graphiquement, ça voit pas du lourd. Hein. Pourtant, moi je suis sur Xbox Series X, je peux vous dire que là, plutôt moyen. Mais ça reste un bon jeu quand même. Parce que c'est vrai que les Gundam, il n'y a pas beaucoup de bons jeux. Et cette licence, ça mériterait quand même qu'ils aient une bonne licence de jeu quand même. Sniper. On a été vaincus, les gars. Vous voyez que les voix sont en français. Ça, c'est pas mal. C'est vrai que c'est rare, des jeux comme ça, soit un japonais ou un anglais, mais la plupart du temps c'est un japonais. Oh le Gundam. Le MVP, n'importe quoi. C'est le meilleur joueur en fin de compte. 3 joueurs.
Voilà, c'était pour vous le montrer, voilà vite fait, pour vous dire que le jeu il est gratuit. Si vous aimez ce style là, Gundam Evolution, il va être fait pour vous. Si vous aimez l'univers robot avec les robots, tout, là, si vous aimez bien la licence Gundam, ça va être pour vous. Il y a de quoi faire, de quoi débloquer, tout. Il y a pas mal de parties à faire. Un peu ce qui est bien, c'est qu'on trouve assez vite tout ce qui est joueur, tout. Par contre, je ne sais pas si y a le crossplay, ça, je peux pas vous dire. Si on peut jouer avec d'autres consoles, ça, je ne sais pas du tout. On peut avoir des petits cadeaux, événements, acquisition de points, le pass saison, comme je vous disais. L'événement durée limitée, il y a aussi des événements en durée limitée, ça veut dire les défis à faire de la journée, voilà. Tout de base quoi, un jeu de tir à FPS, alors avec les robots. Voilà, je pense à me laisser un petit like, pensez à vous abonner à ma chaîne, MultiFrance77, sur ce coup je vous dis à plus pour d'autres jeux et d'autres vidéos. Ciao.